Hey les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, je voulais m'excuser pour la dernière vidéo, j'ai oublié de dire un mot à la fin pour dédicacer des personnes. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les gars. Je dirai un mot à mettre dans les commentaires à la fin de la vidéo pour voir tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et ceux qui le mettront, j'en désignerai un ou deux et je ferai une dédicace en début de ma prochaine vidéo. Du coup voilà les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup les gars, regardez, on a, alors je vais me lever un petit peu, on a trois magnifiques lits, donc un lit rouge, un lit blanc et un lit bleu. Donc le rouge c'est pour Spider-Man, le blanc pour Granny et le bleu, je ne sais pas pour quel personnage. Du coup les gars, dites-le moi dans les commentaires quel personnage va être dans ce lit. Donc je vous laisse bien jusqu'à la fin parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu apparemment, ce personnage, même Granny, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en tant que ne choisissez pas. On l'a vu dans une vidéo quand elle allait voir la maison de Gumball et qu'elle a fait quelque chose. Je vous invite à aller le voir, c'est vraiment super génial. Du coup je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment super génial. Et bien sûr les gars, pour tous ceux qui sont abonnés, qui ne sont pas abonnés, pardon, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Du coup les gars, c'est parti, on va rentrer dans le lit rouge. Du coup, alors c'est quoi ces murs? Ok, c'est vraiment bizarre, il y a des murs sur les côtés. Ok, c'est chelou. Du coup, on va continuer tout droit. Wesh. Ok, c'est le bordel. Oh, oh, va-t'en, va-t'en, au secours. Wesh, qu'est-ce qu'il y a, Spider-Man? Qu'est-ce qu'il y a, Spider-Man? Va-t'en d'ici. Wesh, oula. Ok, il y a un problème avec Spider-Man, je sais pas ce qu'il a. Spider-Man, qu'est-ce qu'il y a? Ok. T'es pas Venom? Moi, non, je suis pas Venom, moi. J'ai peur. Ok. Il est venu, il a tout cassé. Ah, c'est pour ça que tu disais pars au secours. Ouais, j'ai cru que t'étais Venom et que tu voulais me faire du mal. Ah non, non, c'est pour ça que... Non, non, moi je suis pas Venom, les gars. Donc, en fait, Spider-Man a cru que j'étais Venom. C'est pour ça. Du coup, par contre, c'est quoi tout ce bordel, Spider-Man? Bah, en fait, c'est Venom, il est venu. Ouais. Il a tout cassé et là où il a cassé, il a mis des toiles d'araignée. Ok, donc Spider-Man. Signature. D'accord, donc Spider-Man est en train de me dire que Venom est venu tout casser. Il a tout cassé. Et il a mis des toiles d'araignée de partout. Regardez, par exemple, il a cassé le bois, il a mis une toile d'araignée. Le feuillage, pareil. En fait, il a remplacé les blocs qu'il a cassés par des toiles d'araignée. C'est ça, Spider-Man? Ouais. Ok, ok. C'est ça, bah, c'est exactement ça. Et ben, c'est vraiment, vraiment le bordel. Hein. Est-ce que tu as besoin d'aide ou pas? Et dis-moi pourquoi. Ouais, bah, j'aimerais bien que tu m'aides à réparer les conneries de Venom. Ok, donc les gars, il y a Spider-Man qui veut qu'on répare les conneries de Venom. Du coup, il n'y a pas de souci, Spider-Man, je vais t'aider. Du coup, allez, hop, c'est parti. On va casser toutes les toiles d'araignée. Donc voilà, Spider-Man est en train de m'aider. Du coup, on va casser toutes les toiles d'araignée et les remplacer par les blocs, du coup, qui est censé y avoir. Donc on va regarder par rapport à côté. Du coup, l'arbre, bon, c'est facile. Ici, c'est des dalles. Hop, hop, hop. Du coup, alors, regardez, Spider-Man est en train de réparer la maison, lui. Nous, on répare le feuillage, le petit banc. Regardez ici, normalement, c'est une dalle. Oula, voilà, donc Spider-Man trouve bien les erreurs qu'il y a. Hop, oula, faut faire attention les gars, parce qu'il y a des trucs qui cachent d'autres casses. Du coup ici, c'est un petit bloc comme ceci. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose les gars. Donc tout ce qui est cassé commence à être réparé, c'est plutôt pas mal. Du coup, il y a Spider-Man qui est en train de faire l'intérieur de la maison. Du coup, nickel, nous on va faire l'extérieur. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur s'il reste des choses à faire. Hop, on va mettre ça comme ça. De ce côté, ah oui, il a oublié de mettre ici, regardez. Hop, on met la vitre juste ici. Il me semble que ça va à peu près, que c'est tout réparé. Non, il y a juste les coffres, regardez, ici, Spider-Man a oublié. Et la petite demi-dalle, je crois, enfin non, la trappe d'or, hop, qu'on met ici. Et il me semble que c'est parfait, hein. Je suis pas sûr, attends. On va regarder, hop, avec Spider-Man, on va se mettre à l'extérieur. Au plafond, si on regarde, on a oublié le toit. Alors, attendez. Ah oui, il y a le toit aussi, les gars, qui a été endommagé par Venom. Du coup, est-ce que c'est tout bon, Spider-Man? Attends, regarde là, oui, on fait un peu de tour quand même. Vas-y, 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 fais le tour, Spider-Man, et tu me dis. J'ai cru, mais non. Ok, donc je crois que c'est tout bon, les gars. Très, ouais, si, c'est bon, c'est tout bon. C'est tout bon, Spider-Man? Ouais, c'est tout bon, ouais. Bah. Ok, ok, bon, bah, Spider-Man a dit que c'était tout bon, les gars. Du coup, Spider-Man, je te serre la main, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, Spider-Man. Attention, ça colle un peu. T'inquiète, t'inquiète, je vais faire attention. Allez, ciao. Toile d'araignée, tu comprends? Ouais, t'inquiète. Bon allez du coup les gars, c'est parti, on va rentrer maintenant dans le lit numéro 2 qui est le lit de Granny. Donc c'est celui-ci là, regardez, il est juste à ma droite. Du coup les gars, on se retrouve tout de suite pour rentrer dans le lit de Granny. Là c'est reparti, on va voir maintenant le lit blanc. Du coup alors on va voir qui c'est, donc normalement c'est Granny, je vais quand même vérifier. Alors là je vois un gros grillage, c'est une prison quoi, ah non, ok. Oula c'est vraiment le bordel les gars. La map est vraiment bien détaillée les gars, donc on va voir ce qu'il y a.
Pour l'instant, je vois rien du tout, hein. Il n'y a pas de grenier ni rien. Ok, donc il y a une porte ici, une porte là. On va choisir celle-ci. Oh là. J'entends du bruit, les gars. Ok, on va ouvrir la porte. On va pas la fermer. Oh, les gars, regardez. Les gars, regardez, c'est Granny. Elle est en train de faire des sorcelleries. Oh là. Ça va, Granny? Oh, salut, ça va, t'es mon petit Awariz? Ok, Granny, il m'a reconnu, les gars. Donc avec sa voix de mamie, là. Comment ça va, Granny? Ah, j'ai très faim, j'ai mangé beaucoup de youtubeurs Quoi? T'as et j'ai mangé quoi? encore très faim. J'ai mangé des youtubeurs, des Wesh! youtubeurs. Ou Granny a mangé des Ils sont youtubeurs, sur pardon. YouTube. Ah, sur YouTube, ah, c'est logique. Du coup, alors, attendez, les gars, il y a des têtes ici, regardez. Oh! Les gars, est-ce que ça serait Diabolo, ça? Et, Granny? C'est qui, ça? C'est qui, là, que t'es en train de manger? Oh, c'est. Oh bah lui il est fini lui. Oh bah c'était Allez. Diabolofit. Oh! Enfin c'était oui. Il ne C'était... reste plus grand chose. Oh Ok, bah il donc reste que la apparemment, tête. Granny a mangé Diabolofit 35, les gars. Donc, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment super. Mais il Bah a... il va plus faire grand chose maintenant, hein, parce que miam. Tu l'as vraiment mangé là? Bah eh oh, oui. T'es Je voulais taré? manger Twitter, Ouais. mais il a roulé. Il est tombé, il a roulé, et vu que c'était en pente. Bah, il a roulé très facilement et j'ai pas D'accord. pu le rattraper. Donc là, regardez, on a encore une tête à. Je crois que c'est la fille Diabolofit et ça, la tête, je crois. Bah, c'est sa tête de Capitaine Kirk, je crois. Enfin, c'est pas sa tête de YouTube, mais c'est sa vraie tête. Ouais, Mais. bah il manque. Ok. Enfin, il y a des choses en trop. Ouais, d'accord. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, mais je préfère pas savoir. D'accord, donc ça, il y a, donc là, il y a Diabolofit, il y a Kirk, et là, il me semble que c'est, je sais pas, Talcado, je crois. C'est le squelette de Talcado, c'est ça? Ou Doximos, je sais pas. Non, je crois que c'est le squelette de Doximos, les gars. Donc pour ceux qui connaissent Doximos, Oh, je donc sais plus moi. là, il y a son Je les crâne. compte plus ceux-là. Ok, donc Granny a mangé beaucoup de youtubeurs. Du coup, bon, voilà, on a vu Ouais. à peu près ce que Granny était capable, les gars. Donc Ce Granny est crâne-là vraiment. était creux, hein. Il n'y avait Ah pas de ouais. cervelle, hein, dans les... Ouais. D'accord, je pense savoir plus non plus, Granny. Du coup, voilà, Granny. Alors, maintenant que t'as mangé plein de youtubeurs, j'espère que moi tu vas pas me manger, que t'as pas envie de m'en manger. Mais dis-moi en quoi je pourrais t'aider. Ah, ben, vu que je suis vieille, il faudrait que tu Que je m'aides suis. à faire cuire. Ouais. À faire cuire du gigot. Ok, et je le trouve où le gigot, moi? Là-dedans, dans le frigo, espèce de connard. Oh! Granny, tu vas te calmer quand même. Granny est en train de m'insulter, les gars. Elle est vraiment très folle, hein. Ok, donc là, il y a du gigot et elle veut qu'on le fasse chauffer. Ah, ok, bon, bah, il y a le charbon qui est déjà prêt. Du coup, les gars, c'est parti, on a juste à mettre dedans. Je vais aller pisser. Ouais, Oh, vas-y, va faire pardon. pipi, Granny. Ok, bon, il y a Granny qui va faire pipi. Oh, merde, Qu'est-ce flûte. qu'il y a, Granny? Je me suis pissé dessus, j'ai pas eu le temps d'aller aux chiottes. Ah, ok. Bon, Granny s'est fait dessus un peu, les gars. Du coup, eh ben, Granny va t'essuyer pour l'instant que je fais cuire la bouffe. Donc voilà, on. Allez, Hop, hop. regardez. On est en train de faire que la bouffe, les gars. On a deux machins. Hop. Le problème, les gars, c'est que elle a pas assez de four. Du coup, nous, on va en rajouter juste un ici et un ici, les gars. Pour que ce soit un peu plus productif, on va prendre la moitié ici. Hop, regardez. Nice. Et là, on va mettre. Hop, regardez. On va mettre les 5 comme ça. Là, on va récupérer le mouton cru. Du coup, le mouton cuit. Là, le steak. Nickel. Et là, on Ouais, va ça y mettre. est, je me suis changé. Hé. Ok, donc je crois que Granny s'est changé, les gars, apparemment. Et j'ai mis une couche culotte. Ah, ok les gars, attendez, on va voir ça. Elle est où? Oh putain, mais regardez, oh là Mais là, ah, tiens, ok. regarde. C'est vraiment super épais, alors regardez, elle a mis une couche Granny, je crois. C'est ça, Granny? Ouais, bah ouais, c'est pour si je fais pipi dessus, bah pipi, il est absorbé là-dedans. Ok. Donc elle a mis ce que les enfants mettent, les gars. Donc je comprends pas vraiment Granny, je crois qu'elle est vraiment encore enfantin dans sa tête. Elle fait vraiment des trucs d'enfant. Du coup, alors hop, nous on va récolter les derniers trucs qu'on a mis au four. Hop, 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 regardez, là c'est bientôt terminé. Du coup, logiquement, ici c'est terminé depuis longtemps. Les steaks, ok, on a les 5 steaks, les 5 moutons cuits. Là, hop, on a les 3 poulets. On va récupérer la dernière côtelette. Allez, hop, on a la dernière côtelette. Et Granny, c'est bientôt prêt, hein. Granny va Ouais, bientôt pouvoir se j'espère, hein. régaler. Hop, il nous manque un poulet, les gars. Et c'est terminé de finir de cuire pour tout ce qui est nourriture. Et après, on pourra donner tout ça à Granny. Du coup, restez bien jusqu'à la fin, les gars, parce que le dernier personnage peut être vraiment super. Surtout, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Du coup, hop, on a tout terminé de cuire au niveau. Enfin, on a terminé de faire cuire la bouffe. Du coup, Granny, viens voir ici, là, que je te donne ta nourriture. À part si tu veux, je te la Oh. mets dans les coffres, comme tu veux. Non, vas-y, donne-la-moi main propre. Je Ok. n'ai pas. Alors, tac, et ça, c'est le steak, le mouton cuit, le poulet rôti et les côtelettes de porc cuites. Donc, normalement, c'est tout. Dis-moi, Tiens, ça tu te peux prendre convient? un KFC. Oh, nickel. Ok, bon, bah, il y a Granny qui vient de me donner du poulet rôti. Donc, voilà, c'est ça. Elle m'a dit que c'était du KFC. Du coup, bah, Granny, je te remercie et je pense que je vais te laisser, d'accord?
Ok, donc Granny est en Oh, train de tu veux pas bouffer. ma couche-culotte en souvenir? Non, non, c'est bon, Granny, regarde, j'ai ton poulet, j'ai ton KFC, ça me suffit bien. Tiens, prends-la, Non, non, regarde. c'est bon, en plus, Une collector. ça pue, ça pue, ça J'ai pue. pas. Bon, allez, Granny, ciao, ciao, ciao. Allez, les gars, on va juste fermer pour pas que Granny s'enfuit, du coup, vu que c'est une sorcière. Du coup, voilà, allez, on sort de la base de Granny, enfin, du lit à Granny. Du coup, les gars, on se retrouve tout de suite pour le lit. Ah, du coup, Sonic, donc voilà, le personnage c'était Sonic. Pour tous ceux qui l'ont mis dans les commentaires, vous êtes vraiment super. Du coup, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous dirai un mot qu'il faudra mettre en commentaire pour avoir une dédicace dans la prochaine vidéo. Du coup, à tout de suite. Parti, on va rentrer dans le lit bleu. Du coup, c'est celui de Sonic, les gars, pour tous ceux qui ne savent pas. Du coup, voilà, le personnage qu'on n'a pas encore vu, enfin, qu'on a vu il y a très longtemps. Regardez, ah, bah il est là. Salut Sonic! Ok, du coup Sonic a vraiment une voix aiguë les gars. Oula, par contre c'est un peu le bordel ici, il y a des monstres de partout. Dis-moi Sonic, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je suis puceau. Ah, d'accord. Dis-moi, ça a quel rapport avec les monstres? Aucun. Ok, bon, Sonic est un peu débile les gars, mais Sonic va me dire en quoi je peux l'aider. Dis-moi Sonic. Y a Robotnik, il a capturé mes amis les lapins et il a mis des méchants. Ok, donc apparemment il y a des lapins là-bas qu'il faut libérer et il y a plein de méchants. Du coup, je pense qu'on va devoir les tuer, mais je n'ai pas d'armes, Sonic. J'ai juste du poulet rôti. Je pense pas qu'on va aller loin avec ça. Est-ce qu'il y a moyen que tu me donnes des armes ou je ne sais quoi? Vérifier ou pas? De quoi? Est-ce que le poulet rôti c'est du KFC? Oui, c'est du KFC. Ben je veux pas. Ah, ok, bon, Sonic veut pas de KFC. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un arc et des flèches. Je pense qu'on va en avoir ça. Il y a un Alors. arc et des flèches. Dis-moi Sonic, est-ce que je dois rentrer ou je le tire directement ici? Je pense que en vrai Ouais, moi rentrer, je pense que je tu peux. dois tirer d'ici parce que. Oui, sinon après je tire un peu d'ici les gars et après on va essayer de rentrer pour jouer un peu plus ce jeu. Du coup on va tuer juste tout ce qui est chevaux, les pygmènes aussi. Hop, on va les tuer. T'inquiète pas Sonic, Mais si, dis-le-le, ce gros fils de cochon. fils de cochon, oui voilà. Du coup, ok les gars, c'est parti, on va les tuer, hop, un par un. Nickel, allez, hop, 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 hop. On va les spam, regardez ce qu'on va faire les gars, pour mieux les tuer. Oula, ils me regardent bizarre les trucs. Oula, il a un mono sourcil les gars. Et c'est le dernier, hop, nickel, on les a tous butés les gars. Du coup, on va quand même ramasser la chair putréfiée ainsi que les flèches. Ah, oh, j'ai eu une pépite en or. Bah tiens, Sonic, tu pourras t'acheter un petit truc avec. Je vais te la donner, regarde, tac, comme ça tu pourras t'acheter quelque chose. Ok, du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les lapins, c'est parti. On va juste sortir par ici et fermer la porte si c'est ouvert. Non, il n'y avait pas de porte ouverte. Ok, Mais non, regardez. mes copains, comment ils sont trop heureux? Voilà, ils sont trop heureux. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre. Ah, oh, merde. Tu tues mon pote! Merde. J'ai tué le lapin, les gars. Je savais pas, vu que c'est des flèches de soin. Je me suis dit que ça allait soigner. Ok, on va tirer à côté. Peut-être ça va faire effet. Non, c'est bon, Sonic. T'inquiète. On va mettre une potion de soin pour les réanimer. Hop, hop, regarde, regarde, regarde. Hop, 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 Il a nickel. tué votre mère! Ouais, j'ai tué la mère, les gars, c'est pas grave, elle était assez âgée, je pense. Non, je rigole. De toute façon, les lapins, c'est des lapins, c'est des animaux, c'est mieux quand c'est dans une assiette. Du coup, voilà, avec un Ouais, peu de mais c'est sauce. mes copains! Ok, oui, je sais que c'est tes copains. Wesh, les copains! Bon, attends, on va mettre de la vie à tes copains. Du coup, voilà, comme ça, au moins, ils vont avoir un max de vie. Comme ça, les copains de Sonic auront un max de vie. Du coup, Sonic, est-ce que j'ai réussi Ouais! ta petite mission de tuer tous les mobs pour sauver tes petits lapins? Ouais, mais t'as tué un lapin quand même! Oui, j'ai tué un lapin, mais j'ai pas fait exprès, Sonic. Je croyais que ça allait lui donner de la vie. Bon, vas-y, je t'excuse! Bon, il m'excuse, les gars. Moi aussi, pour m'excuser, je vais te donner. Mais. Regarde dans ton coffre, je te vais te donner un peu de KFC, même si t'aimes pas ça. T'inquiète pas, c'est des Thunders. Tu vas quand même kiffer. Ok, Oh, bon, je c'est crois. trop bon les tenders. Bon, allez, c'est bon. Je crois que Sonic a été conquis. Et regardez, il est en train de manger toutes les Thunders du KFC. Dites-moi si vous en mangez aussi. Non, tu Vous. manges pas mes tenders, fils de con. Oula, oula. Doucement, doucement avec les lapins. Du coup, Sonic, je te souhaite une bonne Ouais. après-midi et on se dit à la prochaine. Ouais, bah vas-y. On se Allez, dit à allez, la. vas-y, ciao, ciao, ciao. Ok, du coup, les gars, on va laisser Sonic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aura plu, si vous n'êtes pas abonné, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, le mot de la fin, les gars, c'était quoi? Ça va être tout simplement le mot lapin. Donc, pour tous ceux qui mettront le mot lapin, je en sélectionnerai un ou deux et je le ferai une dédicace en début de vidéo. Du coup, allez, les amis, c'était à voir. Ciao tout le monde.